les remplaçants, là. Non, non, pas remplaçants. T'aurais mieux aimé Chester. Ben, Chester, c'est le premier appel. OK, OK. Et c'était pas le bon numéro. En fait, c'est bizarre. Il a peut-être changé de numéro, ça répondait pas du tout. Non, évidemment, j'ai voulu inviter les gars de Simple Plan. Vous savez, j'ai travaillé avec eux pendant des années. C'est un peu grâce à eux que je suis rentré à Musique Plus. Ça faisait donc du sens de les avoir pour ma dernière heure à Musique Plus. Ça tombe bien, c'est moi, j'aurais mieux aimé que ça soit Shelly. Ah, OK. Shelly, malheureusement, est partie interviewer The Wanted. Ouais, c'est ça qui arrive. Aujourd'hui, à Déclic, on donne deux cartes cadeaux iTunes, valeur de 100$. Charles, en arrivant, pensait que c'était un cadeau pour lui. Tu peux peut-être les gagner, par contre. Oui, tu peux les gagner si tu te rends sur musicplus.com/Déclic. Vous pouvez voter autant de fois que vous voulez. Question Twitter aujourd'hui, ben, posez une question à Charles ou à Pierre qui devrait s'en venir. Il accuse un peu de retard, hein? Un peu en retard, mais c'est pas grave. Il va arriver un petit peu rockstar, show-off en dernier. Je comprends. Tu connais le concept de l'émission? Oui! Première ronde, deux clips, et d'habitude, ben, c'est nos invités qui choisissent des clips. Toi non plus, t'as pas répondu à mes courriels. Non, mais j'ai choisi des clips que je pense que vous allez aimer, en commençant avec Strung Out, Call In. Oui, on va commencer avec ça. Et j'aimerais que tu racontes une anecdote. Moi, j'ai déjà vu Strung Out avant que je sois ami avec Charles. Et toi, t'avais une super bonne place au spectacle, si je ne l'abuse. Ouais, ouais, c'est vrai. J'étais tellement un fan fini de Strung Out. On avait la chance de jouer avec eux, d'ouvrir pour eux avec notre premier band, Roach, même pas Reset, Roach, ça faisait vraiment longtemps. Puis moi, je m'étais mis sur le stage, derrière le drum, sur son riser, là, sur la mini-scène. Puis là, je jouais tous les drums, toutes les beats de drum à côté de lui. Ça devait être vraiment fatigant pour la foule. On va aller voir le clip, peux-tu faire semblant que tu joues? Ok, je vais. Ouais, vas-y. On va aller voir ça, String Out, Call In. Pierre, pendant qu'on t'attendait, on a fait un dessin de toi. Puisque t'es arrivé un peu en retard. Ah, ben moi, je t'ai rendu. Ouais, ça c'est. Ça fait beaucoup. Oui, c'est un dessin. Moi, hein? Oui, beaucoup. Tu as remarqué que tu parles pas de chandail sur le dessin. Non, ça c'est un. Ouais. Et puis là. Ben, pour de vrai, ça, tu sais, c'est une photo, réplique de photo, ça. On met la petite dépôt, c'est moi qui l'ai pris la photo. Et ouais. Ensuite de ça, puisque Charles était là, il était un peu jaloux, je l'ai dessiné également dans le coin. Ah. C'est ce qu'on faisait pendant qu'on t'attendait. Wow. Nous, on va continuer des clics avec Lagwagon, Heartbreaking Music, groupe que ben, je pense qu'on aime tous les trois pas mal. Beaucoup. Joey Cape, excellent chanteur, excellent compositeur, excellent band. C'était technique. Une de mes influences majeures dans mon jeune âge. Et que même aujourd'hui, je pense qu'on peut peut-être... De déceler un peu. En passant, j'aimerais mentionner que ça fait 4 ans que j'étais à Musique Plus. Je pense que c'est la première fois que Pierre vient dans nos studios depuis que je travaille ici. Ouais. Donc. Je suis gentil. T'es gentil de venir aujourd'hui. Exactement. On l'apprécie énormément, mais il fallait que je parte pour pouvoir t'attirer jusqu'à nous. Hein? Exactement. Okay. Désolé, papy. Je trouve que tu te débrouilles bien, finalement. Ça a pris 4 ans. Là. Tu commences à pas payer. Au début, comment cette carrière-là? Je commence. T'as un beau teint aussi. Est-ce que t'as de... T'as du bronzer un peu, là? Non. Un bronzer ou... J'ai jamais été bronzé de toute ma vie. Non, ouais. En tout cas. Tu parais bien, Patrick. Hey, on va arrêter de rire de moi. On va aller voir Lagwagon. Raison, les gens devaient choisir soit Lagwagon, soit Strung Out pour espérer gagner les cartes cadeaux iTunes. Choix difficile. Moi, je connais les résultats. C'est rapide comme ça, hein? C'est rapide de même. L'Internet. Instantané. Ouais, on a haute vitesse ici. Ah, tabarnouche. C'est incroyable. On a le câble, tout le kit. Non, mais qu'est-ce que vous pensez? Lagwagon ou Strung Out? Moi, je dirais Lagwagon. Ouais, c'est un petit peu une meilleure chanson, je trouvais. C'est une mauvaise réponse. Ah, Strung Out avec 85.3. Wow! Cette ronde, ouais. C'est comme un landslide victory. Mais là, vous comprenez un peu plus comment ça fonctionne. Peut-être qu'à la prochaine ronde, vous allez gagner. Parce que j'aimerais ça pouvoir vous remettre les cartes iTunes à vous. Ça serait juste. Une carte iTunes. Ouais, c'est ça que t'es venu. Ça, c'est pas sûr, faut que tu votes. Ok. Donc, je t'explique ça. Nous, on va aller faire une pause. Au retour, Marimé et les Planet Smashers. Aujourd'hui, à Déclic, les gars, vous pouvez regarder ici. Oh. Il y a un écran à gauche, eux autres, ils se regardent à la télévision. Aujourd'hui, à Déclic, on a des cartes cadeaux d'une valeur de 100$ à donner pour gagner les cartes cadeaux. Vous rendez sur le musicplus.com/Déclic. Vous pouvez, bien évidemment, voter du bon bord et vous pouvez voter autant de fois que vous voulez. On a également une question Twitter. Vous pouvez poser une question aux gars. Est-ce que vous allez répondre? Ben oui, on va répondre. Okay, c'est gentil. N'importe quoi. OK. N'importe quelle question pour Chuck et Pierre de Simple Plan. Nous, on poursuit avec Marimé, Je Rapport. Marimé, que vous avez vu hier soir, vous étiez à l'International des Montgolfières. Oui, on a fait un beau show avec elle. Elle a fait la prestation de jet lag avec nous autres. Ouais. C'était incroyable, la foule était en délire. Gros show, vous étiez déjà allé à l'International. En 2009, parce que c'était un meilleur show. Ouf, je dirais Nous, on était meilleurs. Oui, on était meilleurs, mais je pense que
plus de monde. Honnêtement, c'était une foule. On dit, record. Dans le journal, il y a une photo de 20 000 personnes, mais moi, je crois pas ça. On te voit là avec Magui, Pierre. Par contre, je dois vous avouer que c'est pas une photo d'hier soir. Non. J'ai trouvé ça sur Internet, mais je trouvais beau. Merci. Je voulais sortir une photo. On va aller voir Marimée avec Je Repars, une collaboration qu'elle avait faite avec David Usher. Donc, vous n'étiez pas ses premiers. Non. Si vous le saviez. Non. Non. Ça change beaucoup d'affaires, là. J'imagine, hein. Mais elle non plus, c'est pas la première non plus. On l'a fait avec Natasha Ledecky. Ah, ouais, ok. Alors, on parle de votre première ensemble, mais nous, on va aller voir Je Repars. Comment ça s'appelle? Book Smashers, chanson avec un titre que j'adore dire. Aussi souvent que je peux, Super Orgio. Super Orgio. J'aime pas ça dire tant que ça. Super Orgy Porno Party. C'est un nom qu'on connaît bien, ça. Je sais. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. Je voulais qu'on en parle. Non, pour de vrai, Planet Smashers, première tournée d'Arena. Non, en tant que tête d'affiche. Dans le Super Orgy Porno Party. Je vais vous laisser dire ce que vous voulez dire. Moi, j'allais juste parler de votre tournée d'Arena avec les Smashers. Première tournée en tête d'affiche, que vous gardez des bons souvenirs de ça. Oui, t'as dit en overall, nous autres. Ouais, en orange. Des combinaisons orange. On avait bien de fun avec eux, on a même joué au hockey avec eux une couple de fois sur la tournée. Ils sont super gentils. Écoute, on jouait des shows avec eux quand on avait 15-16 ans avec Reset. Donc, c'est un band. C'est des bons vieux amis. Un band classique de Montréal. Est-ce qu'on se tente de jouer dans des arénas maintenant que ça fait des années et des années? Non, ben à cause. Je pense que nous, on joue des petits shows ici et là, on joue des gros shows, des festivals dehors. Alors, on a vraiment. Une bonne variété, une belle palette. Différentes salles et tout, c'est fun. On va aller voir les Smashers avec Super Orgy Porno Party. 8,1%, ça c'est le pourcentage. Ouh. Flip qui a gagné cette deuxième ronde de déclic. Vous pensez que c'est Marimée ou Planet Smashers? Qui tu penses? Ben, je pense que ce sera Marimée. Parce que Marimée est assez populaire ici au Québec. Là. Qu'est-ce qui la rend si unique? Je pense que c'est. Personnalité. Sa personnalité, ouais, son. Moi, je donne victoire à Marimée. Ok. Les gars, restez avec nous, vous en allez pas nulle part. C'est pas le résultat tout de suite. Oui, le résultat, c'est Marimée qui a gagné. Ah, il est mort, ok. Ça n'a pas dit, t'as pas compris. Ouais, ok, t'as. Hey, wow, t'as sérieusement, as-tu la régisseur dans ton arrêt, toi aussi? C'est sûr qu'il m'appelle, qui dit, ouais, mais dis, c'est ta dernière journée. C'est ça, dernière journée, ils ne disent pas de cue dans le régie, c'est chier un peu. Après, la pause, ça va être un peu plus tough, okay. Par exemple. Okay. Simple Plan versus. Simple Plan. C'est sûr qu'on gagne. Hey boy. 100%. J'aime ça. Troisième ronde de déclic. Encore amplement de temps si vous voulez remporter les 4 cadeaux iTunes. Valeur de 100$ pour les gagner. Vous vous rendez sur le musicplus.com/déclic. Vous pouvez voter autant de fois que vous voulez. Et vous pouvez voter, par exemple, du bon bord si vous voulez espérer gagner les 4. Ça, là, c'est vraiment le con. Ça prouve qu'après 4 ans, je suis rendu pas pire. Je suis capable de me concentrer pendant qu'il y a quelqu'un qui m'achale. C'est pas super le fun. Les gars, ronde de Simple Plan. Premier clip, I'm Just a Kid, qui est également le premier clip que vous avez fait. Souvent, les groupes changent de look au fil des années. Vous avez également vieilli. Êtes-vous un peu gêné de vos looks d'I'm Just a Kid? Pas du tout. Moi, on rockait ça, là, c'était des Dickies, puis ah tout, oui, là. Ah oui, old school. Et t-shirt roll model. Moi, j'ai encore... Tes cheveux, moi, j'en ai beaucoup. Ben non, tes cheveux, ils étaient un petit peu plus figés. Ça, ils ont calé un petit peu, puis c'est tout, hein. Non, ils étaient un petit peu plus comme un bloc de gel. Ouais, c'est un peu plus spiké. Là, c'est plus naturel. C'est pour mon âge, là. J'ai plus de 20 ans, là. Non, y'a-tu d'autres choses qui ont changé depuis ce premier vidéoclip-là, en termes de clip? Chuck est plus musclé qu'avant. C'est vrai. Il y a un corps, là, maintenant, là. C'est de voir ça, le gars, là, il passe du temps au gym, là. Ah ouais. Madonna sera à Québec sur les plaines d'Abraham le 1er septembre prochain. Spectacle présenté par Rouge FM et Énergie. Si vous voulez tous les détails sur l'avenue de Madonna, c'est sa première fois qu'elle vient à Québec. Vous vous rendez sur la madonnaquebec.com. Et toute la semaine prochaine, sur les ondes de Musique Plus et Musimax, on va donner des billets pour le spectacle. Donc, regardez la nouvelle programmation de Musique Plus. Oui, Charles. Oui, Charles. Je comprends pas le lien avec nous. Ben, c'est parce que vous avez déjà joué sur les plaines d'Abraham. Ah! T'es fort, hein? J'avais pas pensé. Ah oui, t'es fort. Gros show sur les plaines d'Abraham. Si on devait comparer plaines d'Abraham internationales de Montgolfière, je pense qu'on l'a fait trois fois sur les plaines. Ouais, puis la deuxième fois, c'était 150 000 personnes, on dit comme témoignage. Fait que ça paye plus. C'était le plus gros show dans l'histoire de Simple Plan. Ça paye plus. C'est ça. C'est ça. Mais ouais, pas tant que ça plus. Un peu. Un petit peu. Le show est meilleur en arrière-scène. On aime ça jouer. Ça, ça va veiller.
Parfait. Ça, c'est j'organise justement un party. Ah ouais, chez vous? Oui, c'est chez moi. Vous célébrez ta dernière journée. Samedi soir, un barbecue. Je joue gratuit. Ok, fantastique. Enfin, je pense qu'on va être là. Je vous attends. Je vais mettre la guitare. Hey, on va aller voir. On passe du premier clip de Simple Plan au plus récent, Summer Paradise. On parlait de choses qui ont changé. Je pense que les filles sont plus belles maintenant. Hein? Oui, on a eu pour la première fois une vidéo avec des vraiment belles filles. On va faire une vidéo avec des modèles, on est comme genre, on a jamais ça, nous autres. C'est ça, là. Vraiment des belles chicks. Nice. Hein? C'est vrai, sur un bateau. C'était pas mal de fun. Moi, ça m'a fait apprécier ma journée beaucoup, beaucoup. Parlant du bateau, il y a un de vous cinq qui avait pas l'air super bien sur le bateau, David, qui avait l'air. David, il avait l'air endormi, premièrement, puis il a l'air de dormir tout court sur le bateau. David est toujours fatigué, hein. Peu importe si c'est le matin, le soir, après-midi. On le voit, il dort. C'est bizarre. Je veux dire que c'est que David, il a essayé la potion magique de Sean Paul. OK. Mon conseil, c'est n'essayez pas la potion magique de Sean Paul. Sean Paul, il est très, très, très... Jamaïcain. Exactement. Ouais. Il est habitué à genre de potion magique. Il fume du pot. Non, il fume plus de pot. Il fume pas. Il boit du thé. Il boit du thé. Il boit du thé magique. Il boit du thé magique. Il boit du thé magique. Il a dégobillé partout dans la fourgonnette de Sean Paul. C'était assez embarrassant. Il a manqué. Et puis à la fin du clip, si vous pouvez voir, on marche sur la plage. Il manque un membre du groupe. Okay. David est couché au lit et en train de... Là, il s'est réveillé 5 heures plus tard. Et il nous appelle, il dit est-ce que la vidéo est finie? On est en train de chuter, c'était fini complètement. Oui, David, t'as manqué le dernier 4 heures de vidéo. Félicitations, mon gars. C'est beau. Beau travail. On va aller voir ça, Summer Paradise. J'arrête de suspense tout de suite, je vous le dis, c'est Simple Plan qui remporte la ronde avec 77,5%. Par contre, quelle chanson? J'avais le feeling qu'on allait gagner. Quelle chanson? Summer Paradise? Moi, je pense Summer Paradise, c'est tellement... C'est la bonne réponse! Summer Paradise! Elle passe tellement souvent à la radio ce temps-ci, là, c'est incroyable. Hey les gars, j'ai regardé votre horaire sur votre site web. 3 octobre, c'est le prochain show au Mexique. Non, on a un à Gatineau. À Gatineau, oui. OK, mais... La recherche. Tu vas voir pourquoi j'ai dit ça. Parce que le 29 septembre, Sean Paul est à Montréal. Non, pour vrai. Au Jean-Cartier. Et d'après votre horaire, vous êtes quand même assez libre. Donc, je veux pas partir de rumeurs, mais est-ce que vous pourriez être en ville quand Sean Paul va être ici? Ça te ruine en vacances, si tu te rends compte, là, pour que je revienne pour le 29. Oui. C'est jamais, Sean Paul nous appelle. 29 septembre ou 29 septembre, Sean Paul, OK, Jean-Cartier. Concert annoncé hier. Je ne peux pas. C'était quoi tes plans? Je m'en vais être un best man dans un mariage. C'est vrai. Quelqu'un qui veut que tu sois de leur garçon d'honneur. Oui. Wow. Encore pas dans ma vie, mais c'est tellement fier, là, je suis comme... Wow. Ça va-tu mettre un habit? Ben oui. Fait que c'est d'eau? Taillé tout, même. C'est une papier ou? Non. Travail. OK. Mais ça va être chic quand même. Ah, très chic. Puis encore une fois, je vais sûrement m'inspirer de ça pour faire un autre dessin. Je vais faire un recueil de tous ces dessins-là. Et restez là, après la pause, Faber Drive à des clics. Aujourd'hui à Déclic, on donne une carte cadeau iTunes d'une valeur de 100$ pour voter comme Chuck et Pierre qui sont présentement en train de le faire. Vous vous rendez sur musicplus.com/Déclic. Nous, on commence cette ronde-ci avec All Time Low, Time Bomb, chanson que vous êtes impliqué avec cette chanson-là et vous connaissez bien All Time Low également. C'est nos grands chums, les gars d'All Time Low sont super gentils. Et puis, Time Bomb, finalement, nous, pour l'album, le dernier album, on a écrit 75 chansons environ. Là. Pas tout être bonne? Non, exactement. Time Bomb, c'était une de ceux qui n'étaient pas très bonnes. Alors, c'est genre. Non, mais une qu'on avait écrit, c'est Time Bomb, qui s'est pas rendu notre disque parce qu'on en avait tellement. Puis finalement, ces gars-là l'ont repris, puis l'ont travaillé à leur façon. Et puis, c'est devenu une chanson de longtemps. Comme écrit un peu ensemble. Oui. Et d'ailleurs, avec les retards de ces chansons-là, est-ce que vous planifiez peut-être faire un petit quelque chose? Oui, peut-être bien. Pas des retards. Non, mais... Sérieux. Ben, si c'était pas des retards, il aurait été sur l'album. Peut-être en 2013, la nouvelle musique de Simple Plan, juste pour apaiser les fans qui attendent depuis... Un petit entre-deux. Ouais, entre le quatrième et le cinquième album, un genre de hippie peut-être, un genre de live. Les photos, plein de photos.
comme le prochain groupe qu'on va aller voir, on va aller voir Faber Drive, Do It in Hollywood. Et on a demandé aux gens à la maison de nous envoyer des questions Twitter. On va en poser. Il y a quelqu'un qui voulait savoir avec quel groupe avez-vous le plus aimé jouer? Je pense que pour moi, on a fait un tour il y a longtemps, t'étais dessus avec nous. C'était le tour de Blink-182 et Green Day, Pop Disaster Tour. Spécial. Dans le temps que Blink, c'était vraiment le peak de Animal of the State et tout ça. Pour nous, je pense que, même pour toi, je pense que c'était vraiment un temps incroyable. On passait nos soirées, on jouait d'ailleurs dans les stationnements. Pas vraiment en première partie, mais plutôt. Ah, c'est bon pour jouer sur le stage principal, donc il faisait jouer dans le parking pour faire attendre la ligne. Ce qui était le fun de ça, c'est qu'une fois que la foule était rentrée, nous aussi on pouvait rentrer en arrière, voir le show. Oui, c'était vraiment la fête de tous les soirs, on allait voir le show avec tout le monde dans la foule, puis c'était vraiment un temps magique. Et l'autre question, je veux savoir, mais on a un peu répondu tantôt, est-ce que vous écrivez des nouvelles chansons en ce moment? Non, pas seulement d'autres, on a tout à l'heure. Merci pour la réponse! Non! C'est tout! Non, honnêtement, c'est pas que je veux pas t'entendre, mais on va aller voir les gars de Faber Drive aussi. Allons-y. Une autre chanson que Chuck et Pierre ont co-écrite. Par contre, à la maison, je pense que vous avez mieux aimé Time Bomb. Heureusement que vous ne l'avez pas mis sur votre album, celle-là. Les gens ne l'aiment pas trop. C'est Time Bomb qui remporte avec 59,2%. C'est majeur. Non, je ris de vous juste un peu, juste assez. Mais je vais rire de vous pendant la pause, parce qu'on doit s'arrêter quelques minutes. Mais après, on se gâte encore avec Simple Plan et Simple Plan. Dernière ronde pour aller voter sur lemusicplus.com/Dernière ronde. Si vous voulez gagner les cartes cadeaux iTunes. Nous, on continue avec Simple Plan, le clip Perfect World, qui, d'après moi, est sûrement votre plus beau clip de toute votre cryptographie. Hein. C'est toi qui l'as enregistré ou c'est toi qui l'as. T'as fait quoi? T'as fait tout, là? J'ai fait tout, oui. Le caméraman, tout le grip. J'ai tout fait. C'est un de ceux qui a le moins joué, par contre. Ouais, il y a eu le moins de succès, mais pour de vrai, c'était pas un vrai single Perfect World, mais c'est une chanson que les fans adoraient. Absolument. C'est pour ça que c'est toi qui l'as réalisé. C'est correct, ça. Mais disons que l'album allait tellement bien que les fans voulaient un autre. C'est le cinquième single. Cinquième single d'album. Oh, on voulait faire un peu comme Fleetwood Mac avec Rumors, qui ont fait 7. On s'est pas rendu à ça. On s'est approché quand même. Mais honnêtement, c'est un de mes clips préférés parce qu'on voit un peu la vraie vie en tournée. Dans les coulisses. Incroyable sur scène. Ouais, comme des panthères. C'est. Un guépard. On va aller voir ça. Comme un cobra. Un clip qui rappelle beaucoup de souvenirs. On va aller en voir un des premiers de Simple Plan, I'd Do Anything. Mais tout d'abord, on a d'autres questions via Twitter. Il y a Joanie qui veut savoir jusqu'à où est-ce qu'un fan ou une fan est allé pour attirer votre attention. Et là, réponse, parce que mes parents écoutent, donc. Ben, il y a le cliché rock'n'roll que les filles, font. Quoi, ça? Ils flashing. Oui. Ah! Ils montrent leur. Leur bijou. Ouais, leur bijou. OK. Et d'autres, c'est des filles tatouées avec nos faces. Ouais, moi, j'ai déjà vu une fille tatouée avec cette. Je viens même pas. Cette face-là. Ce visage-là au complet. Le bon au complet. Ouais, j'avais revu la fille, la semaine passée. Dans le show. Moi, je vais aller. Elle l'a pas enlevé. Mais, arrête. C'était vraiment un tatou. Elle l'a pas enlevé. C'était tatou. Arrête. Il était vraiment laid, le tatou. Hein. Pas au complet. Elle l'a pas enlevé. Mais, wow. Moi, on m'a dit, regarde, je peux t'enlever, mais je capote encore sur le dos. Je suis grand fan, mais c'était vraiment, tu sais, c'était trop rouge. T'as raison, t'as bien fait de l'enlever. Audrey, on veut savoir c'est quoi un plaisir coupable dans votre iPod? One Direction. One Direction. Je capote sur One Direction. Sérieux? Je capote. Les deux singles, hein. Peux-tu chanter un peu de One Direction? Non, mais je m'excuse, mais what makes you beautiful? What makes you beautiful? Ah là, incroyable. Celle-là, puis l'autre, là. On coupe pas mal le clip de I Do Anything, mais je pense que ça valait la peine. Ah ouais. Voici à moitié I Do Anything. C'est avec grand plaisir que j'annonce que c'est Perfect World! Oh! Le meilleur clip de l'histoire de Simple Plan qui remporte la ronde avec 64,1%. Yeah. Et c'est Raphaël Damqui qui se mérite les cartes cadeaux iTunes si Charles et Pierre ne les volent pas. Je veux dire, on les laisse à Raphaël. On te laisse, Raphaël. Non, Pierre. Bon, une sur deux. 50$ pour Raphaël, puisque Pierre Bouvier a volé. C'est pour ça qu'on ne te réinvite plus. Hein. C'est pour ça que tu n'es pas super. Ah, merci, les gars, d'avoir été là. Hey, ma mère nous écoute. C'était allô. Ben oui, bonjour, Louise. T'as fait tellement de jokes sur elle que tu sais que tu voulais être avec elle de façon sexuelle. J'ai jamais dit ça de toute ma vie. J'ai jamais dit ça. Mais je voulais remercier, par contre, les gens à la maison, toute l'équipe de Dictée. On a eu un super bel été. J'ai eu 4
année extraordinaire à Musique Plus. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Chuck, merci à Pierre. Vous allez revenir avant 4 ans? Ben oui, garanti. Et Déclic revient la semaine prochaine. Soyez là.